Yo tout le monde, ici DalGaming et bienvenue pour des promos bonus de la semaine. Alors vous allez voir qu'on a de belles petites promos sur les véhicules. On a une promo très intéressante sur le Warstock. On a des nouvelles activités qui sont en promo, des activités qui viennent tout juste de sortir. Des bonus de Noël, bref. Et on commence tout de suite avec la voiture sur la route du casino. Il s'agit de la Fiesta Comet Safari. Qui normalement coûte 710 000 $. Alors je vais aller tourner la roue vite fait, des fois que j'aurai... Juste pour voir si je vais la remporter ou pas. Ça, mine de rien, ça fait longtemps que j'ai pas eu la voiture. Plusieurs semaines, je crois. 1, 2. La voiture. Flûte. RP. Les jetons. Oh, ben écoute, on est à 14 millions. C'est pas 20 000 qui vont changer de quoi après. Waouh! Bon, on se dirige tout de suite, comme vous savez, au salon LS Auto pour voir le véhicule sur le Slam Truck et les trois véhicules à tester, plus le véhicule seulement disponible sur la PS5 et la Xbox Series. Et nous sommes maintenant arrivés au salon LS Auto. La voiture sur le Slam Truck, il s'agit de la Fiesta Comet S2 Cabrio. Pour la remporter, ça alors défi terminé dans le top 1 d'une course de la épreuve du salon autour de LS 5 jours d'affilée. Alors 5 jours d'affilée, je vous conseillerais peut-être de commencer tout de suite. Et commencer, oui, les courses avec 1-2 potes, peu importe, et vous terminez chacun votre tour. Le premier des trois véhicules à tester, il s'agit de la D-Class Tampa Drift qu'on peut retrouver au sous-terme. Le deuxième véhicule, il s'agit de la Pegassi Infernus Classic. Disponible cette fois-ci au Legendary Motorsport. Et le troisième véhicule, il s'agit de la Ubermach Revolter. Encore disponible au Legendary Motorsport. Et le quatrième véhicule sera disponible sur la PS5 et Xbox Series. Il s'agit de la Impulse Arbiter GT. Et nous sommes maintenant arrivés au Luxury Auto. Et le premier véhicule, il s'agit de la Anis 300R et de la Hourflot Entity MT. Deux véhicules du dernier DLC Rogue War, deux nouveaux véhicules. Alors j'ai un petit faible pour les Entity, j'ai toujours aimé les autres Entity, celle-ci ne donne pas sa place. Waouh! On est maintenant arrivé au Premium Deluxe Motorsport, comme vous savez, le concessionnaire de Simeon. Et oui, regardez la neige! Non pas, il reste tracé, quoi, mais sauf qu'on dirait qu'il y a comme un... C'est pas normal, quoi, ça fait tous des trucs rectangles. Vous voyez? Quand on marche? C'est un petit peu... C'est sûr, c'est pas parfait, mais écoute, j'ai toujours trouvé ça stylé, la neige. Alors! Les véhicules ici. On commence avec la Maxwell Wagrain, la Oslo Ardin, la Oslo Stromberg, la Pegassi Toro et la Rapid Click. Ah oui, on a vraiment la Stromberg ici, wesh. C'est celle-ci, ouais. Waouh. Non. Non, c'est celle-ci, ok. Waouh, un petit peu de mal. Comme vous savez, les véhicules ici ont toujours une petite custom de base, que ce soit la peinture des nouveaux mags. Comme le taureau ici, quand même stylé le motif. Ah, tu veux acheter un Wagrain, toi? Libre à toi. Alors, cette semaine, les diverses décorations de Noël qui prônent dans vos propriétés, ainsi que les vêtements de Noël, sont eux aussi disponibles. Tout comme la neige. On a des nouveaux trucs à récupérer, c'est vraiment stylé. Les fameux bonhommes de neige au nombre de 25. Si vous les récupérez toutes, vous allez avoir la tenue de bonhomme de neige. Et chaque bonhomme de neige récupéré vous donne 1000 RP et 5000 GTA $. Alors, il va y avoir un petit tuto sur tous les bonhommes de neige en ligne en même temps que cette vidéo.
Les gains achetés à dollars et à RP sont triplés dans le mode rivalité JAMA 2 sans proie. Alors pour participer, menu pause, en ligne, activité, jouer, activité créée par Rockstar et ça se trouve dans la catégorie mode rivalité. Cette semaine, on a les gains achetés à dollars et à RP de doubler dans tous les types de courses. Les gains achetés à dollars et à RP sont doublés dans les ventes du Labo d'Acide. Alors, le Labo d'Acide, comme vous le savez, c'est la nouvelle activité, le nouveau business à farmer avec le DLC de Rogue War qui vient tout juste de sortir. Connectez-vous à GTA Online cette semaine pour recevoir divers bonus de Noël. Notamment la nouvelle arme de corps à corps, le sucre d'orge qui s'ajoute automatiquement dans votre roue des armes. Alors, on la voit, c'est celle-ci. Elle dégomme vraiment bien. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer deux, trois petites attaques qu'on va faire avec la canne de Noël. Quoi. C'est vraiment stylé quand on donne des patates au PNJ. Également, le bonnet à bière VRN se rajoute à votre garde-robe. Et pour le 24 et 25 décembre, connectez-vous à GTA Online pour recevoir, comme à chaque année, les petits cadeaux habituels. Le contre-la-montre régulier de cette semaine se trouve au casino. Temps à battre une minute pile. Le contre-la-montre du RC Bandito se trouve au parc de Little Soul. Temps à battre une minute 10 secondes. Et le contre-la-montre HSW se trouve à North Tramat. Comme vous savez, ça m'est disponible sur PS5 et Xbox Series. J'ai oublié de vous mentionner deux petits trucs en rapport avec Noël. Alors sans plus tarder, les voici et désolé de cet petit inconvénient. On commence les promos de véhicules sur le Legendary Motorsport avec la Infernus Classic. Prix régulier 915 000 $ et en promo 640 500 $. On continue avec la Obey Tailgater S. Prix régulier 1 121 250 $ et en promo 784 875 $. On continue avec la Pegassi Taurus. Prix régulier 498 000 $ et en promo 348 600 $. Alors, la Shafter V12 blindée. Prix régulier 325 000 $ et en promo 227 500 $. On est maintenant rendu sur le Southern San Andreas Auto avec la D-Class Tampa Drift. Prix régulier 995 000 $ et en promo 696 500 $. On continue avec le D-Class Grandeur 3600LX. Prix régulier 1 035 000 $ et en promo 724 500 $. On est maintenant sur le Elitos Travel avec le Vélome. Alors le Vélome, comme vous savez, c'est le petit avion qu'on doit voler pour aller faire le repérage de Cayo Perico. Alors pour avoir le tarif spécial, vous devez terminer la phase finale du braquage sorti de prison pour pouvoir acheter ce véhicule à prix réduit. Pour ceux qui ont le tarif spécial, le prix régulier est de 995 000 $ et à promo 696 500 $. Et pour ceux qui vont payer le véhicule pleine balle, le prix régulier est de 1 323 000 $. Ah oui, je vois pas à cause du trait rouge. 1 323 350 $ et à promo 926 345 $. On est maintenant sur le Warstock avec la magnifique Strongbird. Alors, pour avoir le tarif spécial, il faut terminer la mission de préparation reconnaissance sous-marine du braquage de la fin du monde en tant que chef d'équipe pour débloquer le tarif spécial. Pour ceux qui ont débloqué le tarif spécial, le prix régulier de 2 395 000 $ et en promo 1 676 500 $. Et pour ceux qui vont payer plein prix, le prix régulier de 3 185 350 $ et en promo 2 229 745 $. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont lié leur compte Prime Gaming, vous allez recevoir 125 000 GTA $ cette semaine. Alors avant de se quitter, je vais vous montrer ce que ça fait dégommer quelqu'un avec une canne de sucre. Ah oui, ça one shot! Écoutez le bruit de métal que ça fait. Wow! Ça fait quoi, c'est une voiture? Ah, ça dégomme sa grand-mère, wow! Hey, sa voiture, ça fait des bruits de métal de fou. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Ah oui, ah ben, tant qu'à être là, je vais prendre une voiture, je vais vous montrer comment ça peut déraper en balade dans la neige. J'aurais aimé prendre une voiture propulsion. Et je crois que c'en est une, ça. Vous allez voir que point. Oh putain, des flics. Ah oui! Une voiture propulsion. Regarde ça. Wow. Wow. Ah oui, ça. Wow, c'est vraiment stylé. Oh, j'ai oublié. J'ai ouvert mon. Ah oui, c'est stylé. Faire des grosses drifts là. Wow. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo sur les promos bonus. Et allez voir la vidéo qui va être en ligne en même temps que celle-ci, comme vous ai mentionné tout à l'heure, sur le tuto complet des emplacements du bonhomme de neige. Des bonhommes de neige. Et moi, je vous dis à la prochaine.